Hey, salut! Comment allez-vous? Dites-moi, avez-vous déjà entendu comme moi des hommes burundais qui se plaignent des femmes burundaises? Du genre. Manerika abagore barundi kati tumicha kunda nzo nitashaka na vyose kugira tumiko yajuhiwe ariko ugenda mu kandi cyo mikongo onami dai gutu Sarvia OK déjà ça dépend des femmes que vous avez faut voir mais si vous voulez aller épouser les ougandaises ou les congolaises parce qu'on n'a pas les mêmes cultures et d'ailleurs c'est vous-même qui insultez les filles ou les femmes qui commencent à faire des choses d'ailleurs et qui font des choses contraires à notre tradition faudrait que vous sachiez ce que vous voulez mais c'est pas ça le plus drôle. Quand une fille ou une femme ose draguer un homme, exprimer son désir ouvertement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui deviennent des statues de sel. Ils ne savent plus comment se tenir, ils ne savent plus quoi dire. Et quels sont les commentaires que ces hommes font par rapport à ces filles? Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a osé exprimer son désir. C'est ce que vous voulez ou pas? Si c'est une épouse, qu'est-ce qui se passe quand elle commence à prendre ses initiatives comme vous le voulez? Qu'est-ce que les hommes burundais vont demander? Il faudrait que vous sachiez ce que vous voulez. Alors les amis, donc moi je pense, à un certain moment il faut que vous concertez entre vous. Vous voulez une femme façonnée, mais bien et tout, tout. Ou une femme entreprenante qui sait ce qu'elle veut et qui demande ça. Alors si vous voyez, et que vous décidez ce que vous voulez, venez nous le dire. Comme ça, tout le monde sera content.